Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo, c'est un podcast audio, vous l'avez compris. Ça fait 7 jours que je fais cette vidéo, donc voilà, c'est en moyenne 5 heures de travail par vidéo. Donc là j'étais un peu fatigué, un peu couché tard, donc voilà. Aujourd'hui je vais faire un truc un peu plus relax et je vais vous parler de mon histoire, comment je suis arrivé d'ingénieur informatique à blogueur voyageur à professionnel. Alors voilà, vous êtes très nombreux à, je pense, vouloir lancer votre blog voyage. Vous êtes très nombreux à vouloir partir en voyage, à partir en tour du monde, à partir, voilà, tout simplement en sac à dos. Et vous êtes sûrement, quand vous allez partir, vous allez vous rendre compte déjà que vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Et le problème, c'est que quand on s'arrête et que quand on vient, on vient au point d'origine, on se dit bon bah maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème, toi. Et je me suis posé cette question pendant quasiment 5 ans. J'étais ingénieur. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et en fait, j'avais l'impression de revenir au point de départ. Alors, je vous explique. Fin 2011, j'obtiens mon diplôme d'ingénieur informatique à Paris, à Lipsy-Levallois. Voilà, je suis ingénieur informatique. Je prends l'avis de partir en Australie tout simplement pour voir autre chose, voir en fait une nouvelle expérience, un nouveau pays. Et ça a été l'Australie, tout simplement pourquoi? Alors, je vous explique, parce que je voulais aller voir l'Open d'Australie. Alors voilà, pour ceux qui me suivent, ils ont compris, je pense la plupart des gens ont compris pourquoi je suis parti en Australie, pour aller voir l'Open d'Australie à Melbourne, voilà. Donc, dédicace d'ailleurs aux gens qui aiment le tennis. Alors, comment ça s'est passé par la suite? Donc, je suis resté en Australie. À la base, je voulais rester un mois. Finalement, je reste un an. J'enchaîne la Nouvelle-Zélande. Je reviens début 2013. Alors, j'avais lancé à l'époque quelques vidéos. Il y avait quelques articles, mais c'était très, très léger. Enfin, il y avait juste une page HTML avec des vidéos dégueulasses. Et en fait, début mars 2013, je me suis dit, OK, ça me passionne vraiment d'aider les backpackers. Je vais continuer cet acharnement de travail à aider les backpackers. À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait rien sur YouTube, toi, il y avait pas de vidéos de voyage, il y avait pas de vidéos concrètement sur l'Australie, il y avait rien du tout, toi, je me suis dit je peux apporter ma pierre à l'édifice en faisant des vidéos sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais faire une dédicace à une personne qui m'a aidé à me lancer sur internet, qui s'appelle Jenny Diab, son blog c'est Voyager au féminin, elle est assez connue sur la thématique voyager sac à dos en Australie, surtout sur la partie Laponie. Donc voilà, dédicace à elle qui actuellement voyage en Laponie. Donc voilà, son compte Instagram, c'est Jenny Diab, JD Road Trip, voilà, pour être précis. Alors voilà, je suis rentré, donc je me suis lancé, et à l'époque j'avais rien, j'ai lancé ma première non backpacker, donc au bout d'un an, j'ai décroché entre temps un boulot d'ingénieur, et en fait pendant 3 ans j'ai été salarié à Paris. J'ai posé ma démission fin 2015, début 2016, je suis reparti un an en Australie, et quand je suis revenu en 2017, j'avais atteint mon objectif des 3000 abonnés sur YouTube, ça c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de me dire qu'est-ce que je fais de ce blog. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, c'est bien beau d'avoir des milliers d'abonnés, mais qu'est-ce que t'en fais de ton audience? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien beau d'avoir du monde. Quand tu vois tous ces influenceurs voyageurs, ok, vous avez 100 000 personnes sur vos réseaux, mais concrètement, vous gagnez quoi comme argent? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu fais de ton audience? Alors, moi je fais pas du contenu de vidéo pour gagner de l'argent. Je fais avant tout du contenu vidéo pour influencer les gens. Mais c'est juste pour vous prévenir. C'est pas le nombre de followers, c'est surtout une audience qualifiée qui vous apporte un intérêt. Je pense que je l'ai souvent dit, tous ces blogueurs voyageurs qui ont plein de followers, beaucoup plus que moi, c'est très bien, mais c'est pas des followers de qualité dans la mesure en fait où vous apportez pas vraiment concrètement de l'aide, parce qu'en fait vous allez toucher à toutes les destinations et c'est pas super intéressant. Alors je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc mars 2017, je reviens de mon deuxième voyage d'Australie. Là, je faisais quoi, 500 euros par mois, pour vous parler chiffres. C'était vraiment compliqué, c'était pas extraordinaire. Je lui dis 500 euros par mois au bout de 5 ans, ça c'est pas terrible quand même. Hein. Mais en même temps, je ne suis jamais mis à temps plein sur mon projet. Et tant que tu ne mets pas à temps plein sur un projet, ça décollera pas. Ça, il faut que tu comprennes. Tant que tu n'es pas à temps plein sur ton projet, ça ne décollera pas. Tu feras 100 euros, 200 euros, j'en sais rien ce que tu feras. Mais tu ne seras pas bon dans le montage vidéo. Tu ne seras pas bon dans ta façon de rédiger. Si tu ne fais pas ça toute la journée, tous les jours, tu ne seras pas bon dans ta façon de faire. Parce qu'en fait, c'est que de l'acharnement, c'est que du travail. Donc voilà, sois rigoureux avec toi-même. Alors, je suis parti en Calédo début juillet, donc il y a un an et demi, je suis parti en Calédo, un peu à Bali, Calédo, et là, le déclic, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une idée de monétisation sur mes groupes Facebook, donc là, ça m'a boosté financièrement, puis après, j'ai aussi boosté mes groupes Facebook, et là, j'ai enfin mon premier SMIC en septembre 2017. Voilà, SMIC, 1000 euros, c'est pas mal, voilà. Alors, est-ce qu'avec 1000 euros par mois, on peut vivre de son blog? Pas vraiment, c'est compliqué, quand on sait le coût de la vie. Quand on investit du matériel, on achète une voiture, on paye de l'essence, de la nourriture, 1000 euros par mois, c'est quand même compliqué, toi.
Et en fait, le déclic, c'est que quand je suis resté en Calédonie pendant quasiment 5 mois, fin 2017, j'ai travaillé énormément sur mon blog. En fait, j'étais tout seul, voilà. Il n'y avait personne pour me distraire, pas de potes, pas d'amis, tout ça. C'est la Calédonie, voilà, j'étais souvent tout seul. Et je me suis vraiment mis à bosser à fond, à fond, à fond. Et là, ça a commencé à décoller. Voilà, pour vous expliquer, ça a commencé à décoller. J'ai boosté mes groupes Facebook, j'ai boosté la qualité de mon contenu, j'ai retravaillé les miniatures, j'ai pris des stagiaires. Voilà, j'ai vraiment bossé en fait sur les points fragiles. J'ai lancé mon pack gratuit qui cartonne bien sur Internet. Tous les jours, il y a des inscrits sur mon pack gratuit. Il est disponible en description de mes vidéos. Donc en fait, pour vous résumer la vidéo, pour passer de blogueur voyageur, enfin d'ingénieur à blogueur voyageur, en fait, vous vous rendez compte à quel point c'est ambitieux comme truc. Parce que ingénieur informatique, aujourd'hui, je ferais quoi? 2 500 € par mois. Aujourd'hui, blogueur voyageur, c'est difficile de faire quand même de l'argent, toi, à moins d'être vraiment un influenceur, j'en sais rien. Alors moi, je suis pas un influenceur, j'en sais rien, je sais pas si je suis un influenceur. En tout cas, j'influence les gens à partir d'Australie. Et surtout, mon business model n'est pas basé sur le placement de produits, mais sur l'affiliation. J'en ai souvent parlé. Voilà, si vous voulez comprendre comment ça marche, je génère du trafic, je fais des vidéos sur YouTube. Et en fait, avec le trafic, j'arrive à vendre des produits. Donc moi, je vends surtout des assurances et des billets d'avion et quelques produits de partenaires. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça pour vous résumer, pour vous dire qu'en fait, on peut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer votre blog voyage, vous voulez lancer votre business, vous voulez lancer votre, j'en sais rien, votre chaîne YouTube, allez-y à fond. Et aller à fond, c'est quoi? C'est pas en sortant une vidéo tous les 3 mois. C'est pas en sortant sur le montage vidéo tous les 6 mois. C'est pas en faisant semblant de faire de la vidéo en mode automatique que vous allez être bon. C'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est un travail à temps plein. Et c'est ça que je suis en train de te dire comme message. Alors, si vous voulez vivre de votre blog, si vous souhaitez vivre de votre blog voyage, c'est relativement accessible pour tout le monde. Faut-il encore se donner les moyens, savoir créer un site internet, se former en référencement, lancer sa chaîne YouTube, être bon sur Instagram? Alors, j'aimerais juste te dire un truc, c'est que tout le monde est sur Instagram aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien, il y a plein de comptes Instagram, des influenceurs. Mais il y a combien de personnes qui cartonnent sur YouTube aujourd'hui dans le blog voyage? Il n'y a personne. Il y a quoi? Il y a 10 personnes. C'est toujours les mêmes. Les Maltor, les Viseo, les Little Gypsy, j'en sais rien. Il y a combien de chaînes YouTube aujourd'hui qui dépassent le million de vues? Il n'y a personne. Donc, parce que tout le monde va vers la facilité. Je suis désolé de te le dire. Mais la vidéo, c'est encore plus dur que faire un article texte. Voilà, c'est beaucoup plus impactant, mais personne ne le fait parce que c'est un travail qui est relativement complexe. Voilà. La vidéo, c'est relativement complexe. Mais j'ai envie de te dire, si tu as envie de te démarquer, fais de la vidéo, tu n'as pas le choix. Alors voilà, j'espère que je vous ai influencé dans mon sens. N'hésitez pas vraiment à vous mettre à temps plein si vous souhaitez, si vous êtes passionné, vous allez voir, vous allez forcément réussir. Alors ça, réussir, ça peut mettre du temps. Alors avoir une communauté, ça met du temps. En fait, il faut le voir un peu comme un arbre, vous allez l'arroser un peu tous les jours et au bout d'un moment, ça va commencer à prendre. Mais c'est compliqué, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai mis 5 ans avant de gagner 1 000 € par mois. 5 ans de travail, 5 ans d'acharnement. Alors, ça n'a pas été 5 ans à temps plein. Là, ça fait réellement 1 an et demi que je suis à temps plein sur mon projet. Ça fait 1 an et demi que c'est mon gagne-pain. Mais on peut le faire, largement on peut le faire. Regardez sur YouTube, il y a des gens qui arrivent bien sûr à... Il y a plein d'entrepreneurs, je ne suis pas le seul entrepreneur, il y a énormément d'entrepreneurs sur Internet. Enfin, j'ai rien inventé, l'auto-entrepreneuriat, ça existe, c'est vieux comme le monde. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir une indépendance financière, vivre de votre passion, vivre de votre blog voyage ou tout simplement voilà, vivre de votre business, c'est largement accessible. Alors moi, je regrette d'avoir fait des études concrètement, bien sûr, 5 ans d'études, j'ai envie de vous dire, pour faire ça. Alors après, les études, voilà, ça m'a appris quand même certaines choses, mais voilà, de Bac plus 5 à blogueur voyageur, je me dis, bon, bah, je regrette un petit peu. En fait, tu te rends compte que les études, c'est bien, mais finalement, je trouve qu'en France, enfin, on te pousse à faire des études pour pas forcément grand-chose. Tu suis bêtement un modèle pour faire plaisir à tes parents ou à ton entourage, pour faire un peu bonne impression. Mais concrètement, je vous conseille vraiment si vous avez fait des études, n'hésitez pas à changer de vie, à changer d'horizon, à changer d'écosystème. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Moi, je me pose des questions des fois. Je me dis, putain, mais en fait, je suis ingénieur informatique à la base. Qu'est-ce que je fais en train de faire du blogging voyage? Mais en même temps, je m'épanouis énormément. Alors, concrètement, si vous avez suivi ce podcast audio jusqu'au bout, mettez le mot clé dièse blog voyage. Voilà, en commentaire. Dièse blog voyage. Et ces personnes-là, je vais vous remercier énormément en commentaire. Voilà, je ne suis pas dupe, je sais exactement. Voilà, je retiens bien les gens qui commentent, etc. Franchement, voilà, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc mettez blog voyage
Et franchement, voilà, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker. Et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Et rendez-vous sur Instagram, @Océanie0. Allez, salut les amis. Salut les amis.